super belle. C'est ta mère? Tu t'ennuies beaucoup d'elle? Ma mère est un peu bizarre. Elle a fait des dépressions, puis elle est maintenant dans une maison de repos. Elle a parfois envie de mourir. Tu comprends? Elle a de la chance d'avoir un fils aussi gentil que toi. Ben, c'est parce que ma mère est malade, puis que je peux pas suivre mon père partout que je passe l'été ici. Je suis souvent seul. C'est pour ça que je raconte les choses à ma façon. Voyons, fais pas cette tête-là. Moi aussi, j'aimerais ça être avec ma mère plus souvent. Tiens. On est dans le même bateau. Tu veux dire la même épave? Oui, mais... on trouve souvent des trésors dans les épaves. Pour vous. Oh, merci, Jujube. Ils ont déjà formé les équipes pour la course au trésor de ce soir. Juliette est dans mon équipe. Bon, ben, Allons-y, d'accord. À 20h sur la plage. D'accord. Mais je te préviens, hein. Jujube va essayer de te suivre. Jujube? Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse de toi, c'est évident. Salut! Comment va ta picotte? Je vais pas mourir. Hey, as-tu reçu ma lettre? Oui, ce matin. Comment est Julien? Il est blond puis il a les yeux bleus. Chanceuse. Quoi? Catherine, c'est évident. T'es en amour. C'est surtout évident que la picotte te donne beaucoup trop de fièvre. Ben, c'est ça. Bye. Comme ça, t'es allée te promener avec Julien dans les sentiers? T'en as de la chance. Oh non, pas toi aussi. Mais on dirait que le monde entier fait de la fièvre, sauf moi. La fièvre? Je fais pas de fièvre. Oh, Catherine! Enfin! Fais tout ce qu'il faut! Ouais. Viens! Voir ça, on ne croira jamais. Bonne chance. Mon Dieu! Oh, c'est terrible! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es blessé? Oh non, non! C'est l'eau! Elle est vraiment froide! Hey! Tu m'as fait peur! T'as rien trouvé! J'ai vu un sac attaché à un cordon. J'ai pas eu assez de tir pour le défaire, mais j'y retourne là. Vas-y! Thank you.
trésor. Hey! Imagine tout ce qu'on va pouvoir s'acheter avec cet argent-là. Wow! Julien, c'est de l'argent d'aujourd'hui, ça, hein? Ça peut pas être le trésor des pirates. C'est sûrement de l'argent volé. T'as raison. On fait quoi maintenant? On va cacher l'argent à la plage, puis on rentre au camp. Julie, je te cherchais. Il t'est arrivé un malheur à Jujube. Elle est tombée dans un petit marais, puis elle a failli se noyer. Pierre Legrand lui a fait le bouche à bouche. Elle est encore inconsciente, mais hors de danger. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est baignée alors qu'elle déteste l'eau? Quel soir en plus? Je crois que quelqu'un a tenté de la tuer. Quoi? Mets mon couvert, moi j'ai plutôt chaud. Oh! Les plongeurs t'ont sûrement aperçu l'autre soir. Tu portais ton coupe-vent jaune fluo. Les voleurs ont sûrement aperçu Jujube avec le coupe-vent, puis ont conclu que c'était elle qui les espionnait. Oui, mais crois-tu qu'elle va pouvoir identifier son agresseur? Pierre Legrand dit qu'elle a rien vu. Attends, je comprends pas, là. Tu m'as dit que Jujube est inconsciente. Comment est-ce que Legrand aurait pu lui parler? C'est ce qu'il a dit à l'autre moniteur au moment où il tirait Jujube de l'eau. Mais peut-être qu'il tirait pas de l'eau, mais qu'il s'apprêtait à la noyer après l'avoir assommée. Ben, il faut appeler la police. Mais pour leur dire quoi? On n'a aucune preuve. L'argent, ça, c'est une preuve. On va retourner à la plage demain matin. En attendant, il faut veiller sur Jujube. Moi, j'irai chercher l'argent. Toi, tu me rejoindras chez M. Alphonse. Lui, il pourra nous aider. Cherche un enfant qui a disparu, Alphonse. Réveillez-vous! De me tuer. Là, là, tu vas me dire où se cache ton complice. Je sais pas. Je suis venue, c'est pour que M. Alphonse m'aide. Mais ça m'étonnerait. Il est complètement sous. C'est ta faute. C'est toi qui as donné du cognac. Ben, il aimait ça. Puis moi aussi, j'avais pas envie qu'il se mette le nez dans mes affaires. Mais
qu'est-ce que vous faisiez au juste dans l'épave? Il fait pas l'innocent, je sais que vous avez trouvé l'argent puis la drogue. La drogue? Vous êtes malin, hein? L'épave était un lieu de rendez-vous génial pour échanger la marchandise. Mais je pensais pas qu'il y avait deux petits curieux pour découvrir mon secret. De te voir. Moi aussi.